téléphone. Nous prenons en charge tous vos frais, tout ce dont vous avez besoin jusqu'à votre indemnisation sur laquelle nous prélevons 15%. C'est un bon coup, quoi. Si vous le dites. Petite anecdote, un jour je vais voir un film de Milos Forman et à la fin du film, il était là, Milos Forman, et il échangeait avec la salle comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et il dit, j'ai toujours pratiqué dans tous mes films la même méthode, à savoir travailler à plusieurs caméras et mélanger les acteurs professionnels et non professionnels. Je sors du cinéma, j'appelle Kechiche, je dis, hey, j'ai vu Forman, il fait comme toi, il fait, bah évidemment. Oui, il m'est apparu comme une évidence que si je voulais ancrer mon film dans le réel et pour raconter une histoire comme celle-ci, moi, il me semblait que c'était nécessaire, que pour le faire au mieux, il fallait intégrer les acteurs dans la réalité. Voilà. Et Mahomet disait je vote pour la belle de Fontenay. Nous ont beaucoup dit, c'est qu'eux, ils étaient contents quelque part qu'il y ait un film qui relaie leurs paroles, ce qui leur parce que du coup ça existe, c'est gravé et ça leur évite de devoir répéter les choses à chaque fois. C'est un film qui est une lettre en cinéma à un ami sourd qui est mort et à qui je donne des nouvelles de son pays aujourd'hui. Donc j'ai filmé pendant 10 ans les images de ses amis, de sa communauté. Voilà. C'est une espèce de cartographie de la communauté sourde aujourd'hui. Je le vivais comme une oppression. Moi j'écoutais impuissante. Je crois que ces jours-là, j'ai compris combien tout ça t'affectait et à quel point tu en souffrais. Elle passait des heures, le casque sur les oreilles. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un film documentaire avec toi. Pour vous rendre visible. On avait tellement envie d'imaginer ce film ensemble, on s'est quittés toutes heureux. L'objectif des œillades, c'est de montrer tout ce qui a trait à la création cinématographique francophone. C'est aussi d'éveiller l'esprit critique, je pense, du public à travers des rencontres, des débats autour des films présentés. Voilà. Et notamment du jeune public qui, par les actions que l'on mène, est sensibilisé grandement. Quoi. L'œilleton, c'est un projet qui est en relation donc avec un de nos cours à l'université. Notre but, en fait, c'est de rédiger quelques articles sur les films qu'on a vus le jour même. Donc, on est 6 et donc à travailler toute la semaine du Festival des œillades sur ce projet-là. Moi, mon rôle, c'est je suis bénévole. Je suis co-responsable de la programmation, de suite, ça implique notre participation au niveau de la présentation et de l'animation des débats. Monique! 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 Hey Monique!
ce que vous avez vu sur ce film-là, c'est un peu notre quotidien, notre manière d'être et de fonctionner. Donc, pour créer ces scènes, Blanca a nous laissé quartier blanche. Quartier libre. C'est assez peu de temps après la sortie du premier film, la compagnie des parents a fêté les 20 ans. Et c'était une année qui était très dure parce qu'il y avait quelqu'un de la compagnie qui avait perdu son fils. Et la fête a eu lieu et elle était folle, elle était débridée, elle était joyeuse, elle était très belle, et je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de filmer. Mais cette espèce d'énergie comme ça qui dit merde à la mort, qui dit merde à la douleur, par la fête, par le rire, par les excès, qui purge, voilà, la tristesse par les excès. Il y a une main levando el agua, caminando la historia entera, la humanidad entera. Entonces, son tierras, por un lado maravillosas, por otro lado son tierras, también ciertas tierras sanguinitadas. Alors vous allez voir ce soir le bouton de nacre qui forme une sorte de diptyque avec le film précédent, puisque le précédent s'est passé au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. Celui-ci se passe au sud, en Patagonie. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Nicolas, si grand plaisir, sincèrement. Nicolas Lasnibat, qui est l'assistant réalisateur sur ce film. Et Patrice, voilà, il est arrivé avec une feuille de papier, il m'a dit, voilà, je veux faire un film sur l'océan, sur la mer. J'ai dit, bon, raconte-moi un peu l'histoire. Et l'histoire, c'était le lien entre les étoiles et nous et la mer. لابد من التحرك بسرعة الروح المعنوية غائبة عند الكثير. Alors, le film est inspiré d'un petit livre qui est une sorte de journal que Fatima El Ayoubi a écrit, a tenu pendant toute sa vie de travail et de femme immigrée en France sur une vingtaine d'années. Elle a pris l'habitude de noter ses réflexions, ses pensées, et en particulier les choses qu'elle n'était plus en mesure d'exprimer autour d'elle, et en premier à ses filles qui ne maîtrisaient pas suffisamment l'arabe. Au château, Marguerite a grandi. Elle devrait être mariée depuis longtemps, mais elle refuse tous ses prétendants, au grand désespoir de ses parents. Marguerite. Non. Je n'ai pas été tentée de le jouer parce que je suis beaucoup trop âgée. En revanche, quand j'ai lu le scénario de Gruau, la chose qui m'est apparue, c'est tout de suite l'envie de jouer ce personnage et le regret de ne plus pouvoir le faire. Et c'est vrai que je suis bien tombée parce qu'Anaïs, elle a vraiment joué le jeu et elle a été très malléable. C'est vraiment une actrice, c'est un plaisir de travailler avec elle, elle est vraiment passionnante. Et je pense qu'on se comprenait aussi sur un rapport au jeu.
année, les organisateurs des EYAD d'Elbi nous ont fait un grand plaisir et un grand honneur. Ils nous ont invités pour la première fois à porter un regard étranger, et notre petit regard de notre jury, sur l'ensemble de la formidable sélection qui a été réunie ici pour ce 19e festival des cinémas francophones d'Elbi. Et nous avons à l'unanimité porté notre regard sur un film qui n'a peur de rien et surtout pas peur de montrer Paris, la France, comme un lieu d'amour, de liberté et de la culture. Daniela Arbit, sa réalisatrice et sa merveilleuse comédienne Manalisa, nous ont donné à voir un film beau, lumineux et porteur d'espoir.